ce que votre photo de profil Facebook veut dire de vous. Salut les crados, aujourd'hui on vous parle de Facebook. Avoir un compte sur Facebook, c'est à la portée du premier venu, mais savoir s'y retrouver et comprendre ce qu'on y voit, c'est une autre histoire. Pour pas que vous ne fassiez n'importe quoi, on a décidé de vous aider en commençant par le plus important, décrypter les avatars. Cas numéro 1, la photo est floue, saturée de filtres de type Instagram. Message: je suis une artiste un peu bohème, sensible et sûrement très cultivée. En réalité: je n'ai pas eu de véritable relation depuis la seconde, sûrement à cause de ma vilaine peau. Cas numéro 2, la photo représente un personnage de manga ou d'anime. Message: j'adore le Japon, je suis un grand enfant un peu foufou, d'aucuns diraient kawaii. En réalité: je suis puceau. Cas numéro 3, un plan serré sur les yeux, parfois en noir et blanc. Message: je suis quelqu'un de mystérieux, de profond. Viens, apprends à me découvrir. En réalité: je n'assume pas mon manque d'hygiène dentaire et le jour de la photo, j'avais un énorme bouton sur la lèvre. Cas numéro 4, un superbe duck face avec doigt en V en option. Message: je n'ai décomplexé, je croque la vie à pleines dents. En réalité: toutes mes potes le font, mais je ne sais pas du tout pourquoi je le fais. Cas numéro 5, une magnifique photo d'enfance. Message: regardez comme je suis mignon, hein? Je suis mignon, hein? Dites-le que je suis mignon, hein? Je suis mignon. En réalité: j'ai commencé à perdre mes cheveux à 20 ans, et j'assume pas trop. Cas numéro 6, une photo prise aux côtés d'une star. Message: ma vie est mieux que la vôtre, moi je fréquente des people. Est-ce que tu peux en dire autant? En réalité: croiser Sinclair au rayon pêche de Décathlon fut la plus belle journée de ma vie de merde. Cas numéro 7, en costume un peu trop large, pris lors d'un mariage. Message: je suis classe, mon swag vous aveugle tous. Swag, swag, swagance, swag. En réalité: je me suis habillé bien une fois dans ma vie, sinon d'habitude je ressemble à un clodo. Cas numéro 8, avec une bouteille à la main, l'air passablement sous. Message: j'ai énormément d'amis, ma vie est une grande fête et je n'ai qu'une devise: carpe diem. En réalité: je suis un alcoolique notoire, je bois pour oublier ma vie et il n'y a pas une seule photo de moi sans verre à la main. Cas numéro 9, visage dans un angle improbable, la pose est compliquée et peu naturelle. Message: je me sens femme, je me sens belle, je pose comme un mannequin. En réalité: j'ai trop lu Biba et je me prends pour Emily Ratajkowski. De toute façon, c'est le seul angle où je n'ai pas une tête de méro. Cas numéro 10, une photo de quelqu'un avec son chat. Message: j'adore les bêtes, je suis doux, sensible et proche de la nature. En réalité: je suis très 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 seul et ça va pas fort du tout. Et vous, elle dit quoi votre photo de profil Facebook? Allez, abonnez-vous.